Je fais ce direct. Aujourd'hui, je fais ce direct. C'est le tiers africain, Georges-Olivier Passy, toujours debout. Malgré ma maladie, je suis debout. Parce que Dieu est plus fort que Satan, Lucifer. Alors, vous tous qui avez dansé le jour de la mort du vieux Marc Mapingo, vous avez dansé sur des cimetières, vous avez ouvert des bouteilles de champagne, vous avez fêté à la folie. Oui, parce que pour vous, c'était une grande victoire. Mais êtes-vous des humains? Avez-vous un cœur qui bat? Avez-vous de l'estime, même de vos propres enfants? Je ne pense pas. Vous n'êtes pas des humains. Mais sachez une chose. Le chemin du cimetière, c'est le chemin de tout le monde. Où est passé le maréchal Mobutu? L'homme le plus puissant, d'après ce qu'on disait. Où est passé tous les féticheurs du maréchal Mobutu? Où est passé tous les milliards que le maréchal Mobutu avait? Tout est vanité de vanité. Vous qui avez détruit le Congo-Brazzaville, vous mangez immensément l'argent du peuple. Vous méprisez le peuple souffre. Les peuples souffrent. Oui, au Congo-Brazzaville. Vous sautez de joie. Vous avez dansé la mort du vieux Marc Mapingo. Vous étiez content. Mais vous ne connaissez pas la vie. Vous ne connaissez pas la vie. La mort, c'est le chemin de tout le monde. Mais sachez une chose. La fête que vous avez faite sur la mort du vieux Marc Mapingo, cette fête que vous avez faite en sautant sur des cimetières, vous allez voir. Dieu va vous montrer qu'il est le puissant. Le Covid-19, le coronavirus n'est pas encore parti. Il y aura une deuxième vague. Mais cette deuxième vague va vous frapper. Vous tous qui avez sauté de joie, qui avez ouvert des bouteilles de champagne, qui avez dansé sur les cimetières, vous allez voir. Vous allez voir. La vague, il y aura une deuxième vague du Covid-19. Il y aura ce qu'on appelle le corona. Vous avez sauté de joie. Mais sachez une chose, tout se paye. Tout se paye. Tout se paye. Et c'est moi, le tien, qui vous le dis. Le tien africain. Oui, je vous parle. Oui, le tien africain qui n'a peur de personne. Oui, tous les gens de la franc-maçonnerie, tous les maçons de la France, je leur ai toujours dit des vérités. Hein? Je ne suis pas quelqu'un qui court derrière l'argent, comme certains de la diaspora pourrie. Oui, certains qui veulent accompagner, soi-disant en 2019, 2021 plutôt, 2021, le président Sassou, d'après eux, au Congo. Est-ce que 2021, vous là, êtes-vous sûr? Non. Vous avez fait immense du mal. Vous êtes une diaspora pourrie. Vous êtes des gens excessivement mauvais. Donc, la mort du vieux Marc Mapingo, vous avez sauté de joie. Le décès du vieux Marc Mapingo, vous avez dansé. Vous avez bu de champagne. Vous avez fêté. Vous étiez joyeux. Mais vous avez oublié qu'il y a un Dieu. Vous avez oublié que tout se paye. Vous avez oublié que Dieu est le maître de maîtres. Vous avez oublié.
Mais vous allez voir. Vous allez voir. C'est le dieu africain qui le dit. Le vieux Marc Mapingu, c'est quelqu'un qui voulait le bien du peuple congolais. Comment le Congo Brazzaville, là où est-ce que je suis né, un pays qui égorge immensément des matières premières, le pétrole, l'uranium, nous en avons, le gaz, qui dit pétrole dit le gaz. Nous avons des forêts immenses, le bassin du Congo. Chaque jour, que ce soit les compagnies multinationales, la Chine, les États-Unis, l'Europe, tous coupent le bois dans ma forêt au Congo-Brazzaville. Oui, la France pille immensément des richesses de mon pays. Mais qu'est-ce que vous faites? Aidez-vous les Congolais? Aidez-vous les peuples congolais? Les peuples congolais souffrent. Manque de nivacine, manque d'aspirine dans des hôpitaux, manque de seringues, manque de tout. Est-ce que c'est normal? L'éducation nationale, surtout n'en parlons plus. Catastrophique sur catastrophique. Les enfants ne vont plus à l'école. L'éducation, elle est bousillée. Il y a des médecins, soi-disant, au Congo, qui sont des docteurs, mais au fait, ils ne sont même pas qualifiés d'être des docteurs. Mais c'est des gens qu'on a nommés docteurs pour envoyer plusieurs personnes dans le chemin de la mort. Et ça se passe au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, le vieux Marc Mapingu, que vous avez dansé, vous avez sauté de joie. Vous allez voir, Dieu va vous montrer. Dieu va vous montrer. La colère de Dieu est une colère dont personne ne peut échapper. Vous, la diaspora pourrie, dont certains, oui, d'entre vous, vous me connaissez bien, le thé africain. Quand j'étais à l'hôpital à Paris, vous étiez au courant que j'étais à l'hôpital à Paris parce que certains sont venus me voir. Deux filles sont venues me voir, deux collègues. Vos collègues, hein? Parce que ceux-là sont vraiment vos collègues. Vous savez comment les manipuler. Hein? Mais êtes-vous venu me voir? Non. Mais quand il y avait des marches à faire, des sittings à faire, aller devant l'Assemblée nationale, là, le tien était important. Oui, le tien était important. Mais depuis que le tien est malade, le tien n'est plus important. Il n'y a pas de problème. Mais avec Jésus-Christ, je suis plus important. Voilà, vous allez payer. Donc, vous, la diaspora pourrie, parmi vous, il y a pas mal qui se sont levés dans ce combat. C'est pour l'argent, pour avoir l'argent. Dans le combat du Congo, il y a beaucoup qui se sont levés, c'est pour l'argent. Les guéris, ils n'aiment pas le peuple congolais, l'argent. Oui, l'argent. Maintenant, les cimetières où vous avez dansé, sauté de joie sur la mort du vieux Marc Mapingu, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu quoi? Rien du tout. Êtes-vous heureux? Avez-vous sauté de joie? Êtes-vous vraiment joyeux? Triste pour vous. J'ai maintenant un message à vous envoyer. Coronavirus, le Covid-19 vous observe. Il y aura une deuxième grande vague.
Vous avez vu, non? Toute l'économie mondiale, stoppée. Tout était quasiment dans le monde entier, hein? Comme on peut le dire. Ville morte. Partout, c'était le silence. Il n'y avait que des bruits maintenant, des oiseaux. Même la pollution dans l'air, elle avait immensément diminué. Donc, vous là, vous avez dansé la fête, hein, sur la mort du vieux Marc Mapingo. Vous allez voir. Le Covid-19 va vous frapper au nom de Jésus-Christ. Le coronavirus va vous frapper. Vous qui avez dansé sur la mort du vieux Marc Mapingo. Maintenant, je vais passer à une autre personne. Cette personne, c'est Marcel Lucille Yabi. Marcel Lucille Yabi. Vous avez fini de manger? Non, je n'ai pas faim. Vous n'avez pas faim? Marcel Lucille Yabi. L'ex-épouse du vieux Marc Mapingo, qui croit que le matériel du vieux Marc Mapingo devient sa propriété. Elle empêche même que la famille du vieux Marc Mapingo puisse avoir certains biens de leurs parents. Tout elle s'est comparée de cela. Toi, madame, Marcel Lucille Yabi, tu te prends pour Dieu? Non. Toi là, tu étais au courant de beaucoup. Pourquoi tu empêchais que la diaspora puisse voir le vieux Marc Mapingo à l'hôpital? Tu es resté silencieuse. Tu as bloqué, tu as dit au médecin, pas de visite pour voir le vieux Marc Mapingo. Parce que tu voulais que le vieux Marc Mapingo décède. Ça, c'était ton plan. Le plan a bien fonctionné. Mais maintenant, nous allons voir. Parce que toi, là, tu vas suivre celui que tu as fait du mal, celui dont tu as volé ses biens. Parce que tu as volé les biens de ton ex-défunt mari. Parce que tous les biens que tu t'es comparé, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à la famille du vieux Marc Mapingo. L'agenda des contacts du vieux Marc Mapingo, tu as gardé tout cela pour toi. Tu crois les fréquentations du vieux Marc Mapingo, ça devient tes fréquentations. Ok, tu verras. Tu es grand. Donc, Marcel Lucille Yabi, voilà le message que j'avais envie de te dire. Sache que ton heure aussi, elle est proche. Ton heure est proche parce que le décès du vieux Marc Mapingo n'est pas un décès comme ça. C'est un calcul aussi que tu as fait pour l'envoyer vite à l'abattoir. Oui, tu as tout fait pour l'envoyer à l'abattoir de la mort. Sache que tu verras ce qui va se passer. Toi-même, tu vas le suivre. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc, vous tous qui avez dansé sur les cimetières, vous avez ouvert des bouteilles de champagne, vous allez voir ce que Dieu va vous montrer. Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, il vous montrera. Vous allez voir. Dieu est un Dieu qui ne blague pas. Vous croyez que le vieux Marc Mapingo, là où est-ce qu'on l'a enterré, vous croyez qu'on l'a enterré ou puis c'est fini? Non! Là où est-ce qu'il est là, il va continuer à combattre pour la libération du Congo. Et la libération du Congo, elle ne va pas tarder. Hein? Elle ne va pas tarder. Et la libération de l'Afrique, toute l'Afrique, ça ne va pas tarder. Il y aura un changement.
Mais avec Dieu, Dieu le Tout-Puissant ne permettra pas que l'Afrique soit dirigée par des voleurs. Non. Il ne permettra pas. Parce que mon oncle Fulbert Yolou, le premier président du Congo, n'était pas un voleur. Je sais pas si. Oui. Merci. Donc tout va changer. Voilà ce que j'avais envie de dire. Tout changera. Mais arrêtez d'être mauvais, arrêtez d'être méchant. Ça ne sert à rien. Hop. Merci. Je vais le prendre. C'est la bouche. Ça ne sert à rien. Il faut être simple. Très important. Vous voyez la vie là? Nous venons sur Terre, mais après on part. Hein? La Terre n'appartient à personne. La Terre appartient à Dieu. Quand j'étais enfant, je n'étais pas enfant né avec la barbe blanche, avec des cheveux blancs, non. L'homme, il vient bébé, l'homme il grandit, après il prend ce qu'on appelle la vieillesse. Voilà, c'est comme un bouquet de fleurs. Vous payez un bouquet de fleurs roses, vous l'offrez à votre épouse, mais le bouquet de fleurs, après, finit par partir. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc, que le bon Dieu, Jésus-Christ, puisse faire à ce que il y ait ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Tous ceux qui ont voulu la mort du vieux Marc Mapingu, tous vont suivre. Tous ceux qui ont dansé avec des bouteilles de champagne, qui ont sauté sur des cimetières, tous vous allez suivre. Vous allez voir. Voilà ce que j'avais envie de dire. Vous allez voir. Le tchat africain a parlé. Ingeta. Que Dieu garde le vieux Marc Mapingu. Que Dieu le garde. Et que le vieux Marc Mapingu, là où ce qu'il est, qu'il puisse continuer le combat. Et cette femme-là, hein? Cette femme qui l'a fait immensément du mal, Marcel Lucille Yabi, va suivre le vieux Marc Mapingu. Elle va le suivre parce que cette femme a participé à 900% de la mort du vieux Marc Mapingu. Le tué africain, Georges Passy, a tout dit. L'homme qui dira toujours la vérité et l'homme qui continuera à dire la vérité, Ingeta.